Alors Kamerad, c'est un film qui évoque l'armistice de la Grande Guerre, à savoir deux poilus qui capturent un soldat allemand, deux poilus qui sont perdus dans la forêt, et ce soldat allemand soutient que l'armistice a été signé tôt dans la matinée. Bien évidemment, les poilus qui ont été, qui ont la haine, une haine viscérale des Allemands, ne croient pas en ce soldat allemand. Donc on assiste à une marche dans la nature de ces soldats français avec le soldat allemand qui est captif. Et la question se pose, faut-il le tuer? Dit-il la vérité ou pas? Camarade, captif, nicht schießen, nicht schießen. Der Krieg ist vorbei, der Krieg ist vorbei. Bitte lasst mich am Leben. Camarade. Qu'est-ce qu'il baragouine? Il dit que la guerre est finie. Parmi les réalisateurs figure Matthias Vertasi. Il est d'origine allemande. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges sur la manière dont on concevait le soldat allemand de la guerre 14-18 comme étant le grand monstre, le monstrueux soldat allemand de la guerre 14-18. Et on a écrit justement Kamerad pour déconstruire le monstre de le supposé monstre du soldat allemand de la guerre 14-18. Allez, avance. On s'est laissé guider par les lieux. On a eu la chance de tourner par exemple dans une église en ruine, une église qui a été détruite pendant la Révolution. Et dès le départ, il y a eu une ambiance qui était posée, à savoir la brume au petit matin. Pareil pour les lieux, à savoir les coteaux qui se trouvent en Picardie, dans le sud de la Picardie, à Crépy-en-Valois, où on s'est laissé guider un peu par une intuition, par les émotions qu'on a eues en découvrant les lieux. En termes d'image, je dirais que le paysage a été l'un des personnages principaux